soigneur animalier, un peu spécial du coup parce que je suis capacitaire, donc c'est aussi que je suis responsable des animaux du parc. Du coup, comme je suis aussi le gardien, ben, je dois être sur place. Par exemple, la gendarmerie qui m'appelle pour m'apporter un animal sauvage qui a été saisi, ben, faut le placer en attendant. Si jamais il y a le moindre problème ou autre, donc voilà, faut qu'il y ait quelqu'un de toute manière. Donc c'est ça sur pour tous les parcs. Ben, du coup, pour celui-là, c'est moi. Et en contrepartie, voilà, j'ai une maison à l'entrée. Mais t'es de soigneur animalier, tu peux pas le résumer que aux animaux, parce qu'il y a aussi une interaction avec les visiteurs, tu fais des animations, tu leur expliques des choses, tu passes aussi beaucoup de temps dehors à bricoler, à nettoyer, enfin, comme il y a vraiment plein de choses à faire, bah, des fois c'est d'arriver à se dire, bon, faut que je mette la priorité sur telle chose à faire aujourd'hui, il faut vraiment que je m'organise. Tu peux devenir soigneur animalier comme ça sur le tas et te former sur le tas, mais c'est mieux d'avoir quand même un petit bagage, donc soit en ayant fait une école de soigneur animalier, soit en ayant au moins un bac scientifique en poche, donc, ou un BTS, voilà. Quelque chose de scientifique pour te savoir tout ce qu'il y a à savoir au niveau des écosystèmes, de la nature, de la biologie des animaux, c'est toujours un plus. Voilà. Il y a plusieurs qualités qui peuvent être bien, si tu les as pas toutes, c'est pas grave, ça veut pas dire que tu seras pas un bon soigneur animalier, mais tu seras peut-être plus amené à travailler dans d'autres parcs et pas à d'autres, voilà, tout simplement, on va plus... Certains parcs chercheront plus des gens un peu méticuleux, ouverts, qui ont de la tchatche, parce que leurs soigneurs doivent aussi faire des animations, et dans d'autres parcs, les soigneurs ne font pas d'animation, donc c'est pas très grave s'ils sont un peu timides. Animalier de Charleville-Mézières, donc ça fait un peu plus de 40 ans parce qu'il a été créé en 1976. Pour le situer plus facilement, c'est entre la commune de Saint-Laurent et la commune d'Aiglemont. Il fait environ 34 hectares. Tu vas pouvoir voir des cérélaphes comme on peut le voir là, des daims comme on a vu sur le chemin, des sangliers, des faisans, enfin plusieurs espèces de faisans, plusieurs espèces de poules, de daims, de canards. Il y a les chevreuils aussi, j'allais les oublier, les mouflons. On a des enclos quand même assez remplis, même si des fois on ne dirait pas parce qu'ils sont très grands. Animalier, c'est très important. On a des fois l'impression que c'est pas très utile, mais d'une part, ça sert à présenter les animaux, puisque ces animaux-là, tu les vois pas forcément tous les jours. Donc, c'est important de savoir qu'ils existent encore. Donc, ça sert à faire de la médiation publique. Ça sert aussi à faire de la préservation d'espèces. Donc, là, pour ces animaux-là, il n'y a pas forcément besoin, mais pour des espèces plus en danger, comme des loups, des ours, des lynx, par exemple, ça permet de faire de la reproduction et pourquoi pas plus tard de faire des relâchés. Voilà, c'est une mission de conservation aussi, et c'est une mission aussi de recherche. Alors ça peut être de la recherche éthologique, de voir au niveau des comportements, c'est plus simple pour les éthologues d'observer les comportements d'animaux en structure zoologique que parfois d'aller en pleine nature. Pour certaines données, c'est un peu plus simple. Voilà.